Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la santé et au bien-être sexuel. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important, les positions sexuelles potentiellement dangereuses. Comprendre ces risques peut contribuer à une vie sexuelle épanouie et sécuritaire. Position 1, la position du lotus. Commençons par la position du lotus. Cette position implique que les deux partenaires soient assis en face l'un de l'autre, les jambes entrelacées. Bien que cette position puisse être intime, elle peut aussi entraîner des inconvénients. Les risques comprennent une pression excessive sur les genoux, qui peut mener à des douleurs ou à des blessures. De plus, maintenir cette position pendant une longue période peut être fatigant. Position 2, la position du pont. Passons à la position du pont. Cette position consiste en une pénétration profonde, mais elle peut aussi exercer une tension importante sur la colonne vertébrale. Cela peut entraîner des douleurs lombaires et des problèmes de dos, en particulier si elle est pratiquée fréquemment. Il est essentiel de communiquer avec votre partenaire pour éviter tout inconfort. Position 3, la position du balancier. La position du balancier est une autre à prendre en compte. Elle implique que l'homme soutienne le poids de la femme, ce qui peut être risqué, en particulier si la femme est significativement plus lourde. Des blessures aux bras et aux épaules peuvent survenir si cette position est mal exécutée. Position 4, la position du missionnaire inversé. Enfin, parlons de la position du missionnaire inversé. Dans cette position, la femme est au-dessus de l'homme, ce qui peut sembler amusant, mais elle peut aussi être risquée si elle n'est pas pratiquée avec précaution. Les femmes peuvent avoir du mal à contrôler les mouvements et à éviter les chutes, ce qui peut entraîner des blessures. Il est important de se rappeler que chaque personne est différente, et ce qui peut être risqué pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. La communication avec votre partenaire est essentielle pour comprendre vos limites et vos préférences. Si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort lors de certaines positions, il est important de ralentir ou d'essayer quelque chose de différent. La sécurité et le plaisir doivent toujours être au cœur de toute expérience sexuelle. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé ou un thérapeute sexuel. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette discussion sur les positions sexuelles potentiellement dangereuses. Prenez soin de vous et de votre bien-être. À bientôt.